Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je suis très très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette deuxième vidéo de la petite série pour équilibrer ton self-love et ton estime de toi. Dans la première vidéo qui est sortie il y a quelques jours, nous avons attaqué cette série par la journée créativité, qui était ma foi une fort bonne journée, vous m'excuserez. Pour ce cadrage approximatif, on fait comme on peut dans la voiture. Donc première journée, c'était journée créativité. Et pour cette deuxième journée, journée self-care. Et alors comment vous dire que c'est beaucoup trop cool parce que je n'ai eu que très très peu d'occasions de faire de vraies journées self-care, bah tout simplement par manque de temps. Depuis quelques années, je suis à mon compte, donc forcément un des défauts c'est de détendre son temps de travail un petit peu tout le temps et de pas faire de réelles coupures. Là, pour pouvoir faire cette journée, c'est n'importe quoi ce cadrage. J'ai dû travailler très tard hier soir et très tôt ce matin, mais l'important c'est que je puisse me faire cette journée. Comme je vous le dis, l'important c'est juste de vous débrouiller comme vous pouvez. Il n'y a pas besoin que tout soit parfait et que tout soit optimal. On fait comme on peut, c'est le principal. Donc aujourd'hui, plein de choses super cool au programme. En tout cas, j'ai calé une journée entière. J'aurais voulu commencer par ce matin ma... Qu'est-ce que je fais ? Si, je suis au bon endroit, j'ai eu peur, je connaissais pas la route. J'aurais voulu commencer par ma séance de sport dès le matin pour vraiment super bien commencer. J'ai pas pu, c'est pas grave, il fallait que je commence par le travail. Donc j'ai arrêté à 10h30. Ça reste quand même une très bonne journée. Et on commence par quelque chose de super cool. Au passage, je suis désolée, j'ouvre ce vlog dans la voiture parce que justement, j'ai pas pléthore de temps avant ce premier rendez-vous. Donc, qu'est-ce que ce premier rendez-vous ? Rendez-vous massage ! Je suis trop contente. Je l'avais noté dans mes objectifs, enfin dans mes objectifs, dans mes intentions, dans la catégorie prendre du temps pour moi. Je voulais vraiment me prendre des petits temps massage, je sais pas, des trucs en institut de temps en temps parce que je ne l'ai jamais fait. Et trop drôle parce que là, je regardais vraiment pour prendre rendez-vous quelque part, mais je savais même pas vers où m'orienter. J'ai jamais fait de massage moi, hormis les drainages lymphatiques avec Cynthia. Et j'ai été contactée par un institut de massage, donc on a calé la date, ça tombe aujourd'hui, donc j'avais profité pour caler toute ma journée et la vidéo autour. Donc écoutez, je vais découvrir ce lieu, c'est pour une collab Insta, je vais vous en parler bien évidemment par ici si c'est une chouette expérience. En tout cas, une heure de massage devant moi, de quoi bien profiter et bien me détendre. Et ici, bien évidemment, j'ai la chance de pouvoir faire un massage en institut, mais on s'en parlera un petit peu plus tard dans la journée. On peut bien évidemment, c'est ce que je fais le plus souvent d'ailleurs, se faire une journée self-care avec des soins maison, même si ça sera pas la même chose, on va pas se mentir. Eh bien, on peut toujours soit vous faire, enfin, soit vous-même vous faire des soins, soit recruter votre mec ou qui sais-je pour vous faire un massage. Ça, j'ai même pas tenté, c'est bien plus compliqué. En tout cas, c'est parti. Et donc, l'institut s'appelle Oser Massage. C'est rue Danton, à Rennes. Ah là là les filles, ah ça va trop bien. Pourquoi je n'ai pas fait de massage avant, je ne sais pas, mais c'était vraiment beaucoup beaucoup trop chouette. Par contre, bizarrement, une heure de massage ça passe beaucoup plus vite qu'une heure de sport ou autre chose. Mais c'était vraiment trop trop chouette. En plus j'ai découvert le lieu Oser le Massage qui est vraiment super super chouette avec une super équipe, la masseuse. Ouh là là, bijou, j'ai adoré vraiment. En fait, c'est un petit peu plus un institut où vous prenez au temps de massage. Et oui, ils vous posent des questions et ils ajustent en fonction de vos besoins. Mais ils ont bien évidemment plein de techniques de massage différentes. Et c'est super chouette. Et ils sont spécialisés aussi dans les massages en duo. Donc ils ont 3 cabines duo et une cabine solo. Et donc ils se sont lancés aussi dans les coffrets... massage pour la semaine qui précède le mariage et tout, c'est vraiment des trucs super chouettes. Pareil, ils sont investis auprès d'une asso à Rennes pour l'hôpital sud parents enfants malades, je sais plus comment ça s'appelle exactement, mais vraiment c'est un très très chouette institut avec des très chouettes gens, donc
trop trop contente à chaque fois de faire des rencontres comme ça. Donc n'hésitez pas, si vous êtes de Rennes et que vous voulez vous faire masser, à aller là-bas parce que vraiment vous ne serez pas déçus. Et donc, étape suivante, pour continuer dans les trucs chouettes, je vais chercher mon monsieur à la maison qui ne travaille pas aujourd'hui, puis nous allons nous faire un restaurant, comme la Saint-Valentin c'est demain, mais que demain nous ne pourrons pas, et bien nous allons nous faire un restaurant ce midi et enchaîner sur un petit cinéma cet après-midi. Franchement, un programme vraiment très cool. Du coup, pour le resto ce midi, on est au BTS du centre-ville de Rennes. J'ai pris le burger le Danzé, qui est le seul que j'aime, bien évidemment, sans mèche et sans oignons, mais c'est hyper bon. Nous nous retrouvons, il est 20h30, ça, j'arrête de lutter. Aujourd'hui, depuis la pluie, ça ne veut pas tenir. Quand on est sorti du ciné, on a été directement chercher notre loulou à la crèche, puis ma soirée de maman s'est enchaînée, donc je vous retrouve que maintenant. Pour ce soir, je pense que ça va être reste d'hier, poulet, pâte curry. C'est le truc qui me paraît le plus potable et le plus rapide pour ce soir. Là, je vais enchaîner avec un soin visage, en tout cas bien hydratant. Je me suis démaquillée, Loulou était encore debout, mais j'ai la peau qui tiraille, donc je vais pas faire juste mes soins habituels. Je vais essayer de mettre un masque bien 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 hydratant, limite je me tâte, je le fais pas souvent parce que j'en ai pas non plus ultra besoin, mais à mettre une huile. Alors huile de coco, ça reste de l'huile sèche, mais je vais voir. Donc je voulais faire la fin de la partie de ce vlog en vous parlant un petit peu, parce qu'il y a plusieurs choses qui me paraissaient intéressantes d'incorporer dans ce vlog là. Moi en gros, c'est toute ma journée qui a été pour prendre soin de moi. Vous, ça a été très court du coup, parce que c'était pas des choses que vous pouvez voir. D'ailleurs, pour le film, on a été voir Wonka, c'était le dernier jour, donc il était temps, et c'était cool. Je trouvais ça long franchement à démarrer, mais c'était sympa, contente de l'avoir vu. Et qu'est-ce que j'allais vous dire? Oui, donc les choses intéressantes à voir avec vous, c'est que on a parlé avec ma sœur, comme d'habitude, de pas mal de choses ce week-end, et il y avait deux choses qui me paraissaient pertinentes à vous dire. C'est qu'elle m'a demandé comment je faisais pour pas culpabiliser de prendre du temps pour moi. Eh bien, ça m'a fait vraiment écho, parce que pendant très longtemps, j'ai vraiment culpabilisé quand je prenais du temps pour moi. Et en fait, je lui ai dit, moi, c'est vraiment quand j'ai cadré mon organisation côté pro que je n'ai plus culpabilisé de prendre du temps pour moi, parce qu'en fait, je savais que tout était fait. Et ça ne veut pas dire plus travailler, au contraire. Moi, je travaillais beaucoup plus en volume horaire avant que maintenant. Enfin, beaucoup plus, je travaillais encore beaucoup, mais je veux dire, avant c'était tous les soirs, tous les machins, ça s'étendait tout le temps, mais c'était beaucoup, 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 beaucoup moins efficace, alors que maintenant, je travaille beaucoup plus raisonnablement. Il y a toujours des périodes de rush, par exemple, là je suis en pleine période de rush, où oui, du coup, bah, le soir, je travaille, et c'est comme ça, et c'est pas grave, ça va nous amener au deuxième sujet, mais ça reste quand même beaucoup plus raisonnable, parce que j'ai trouvé une organisation qui me permet d'être beaucoup plus productive et efficace. Et du coup, quand je prends du temps pour moi, je sais que je le mérite, que je peux le faire et que je n'ai pas plein plein de choses qui grouillent dans ma tête. Le deuxième sujet sur lequel je voulais embrayer, c'est que je voulais très souvent chaque chose en son temps. Par exemple, il y a des périodes où c'est pas possible. Là, vous voyez la vidéo que vous avez vue, mon challenge de février. Là, tous mes nouveaux objectifs, je n'en fais aucun, je ne les atteins pas du tout. Est-ce que c'est grave? Non, parce que ce n'est pas la priorité. Chaque chose en son temps, et ça je vous le dis parce que c'est très important pour prendre soin de votre petite tête, de votre mental, c'est qu'il y a des choses qui ne sont pas prioritaires. Par exemple, je prends l'exemple du sport, à un moment je n'en faisais plus parce que dans mes choix ce n'était pas prioritaire. Après, ça m'a vraiment rendu mal parce que c'est quelque chose dont j'ai besoin, donc j'ai repris. C'est juste à vous de voir vos priorités. Et donc pourquoi je dis ça? C'est parce que, par exemple, là, vous voyez, ça rentre dans une période où il faut que je travaille un peu plus que les cases où je me fixe. Du coup, moins de temps pour moi, moins de temps avec Benoît, tout ça le soir. Est-ce que c'est grave? Non, parce que chaque chose en son temps. Et là, je dois plus travailler pour faire mes projets du moment et parce que c'est ce qui compte pour moi. Est-ce que c'est grave? Non. Donc vraiment, ça, c'est très important pour se sentir bien aussi, parce que si vous êtes en train de vous dire « Oh là là, là je devrais faire ça, je devrais faire ça », ça encombre la tête. Franchement, c'est
pas du tout. Et d'ailleurs, vous voyez, ça m'a fait rire parce que tout à l'heure, j'ai eu la réflexion, je me suis dit, oui, 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 il est 18h, on va chercher Hélène à la crèche, il n'y a pas beaucoup de temps de vlog tourné, le vlog va pas être très long, et avant, bah franchement, je me serais dit, bah tant pis, j'arrête le tournage, et ça serait un vlog qui serait jamais sorti, mais il y a beaucoup, beaucoup de vidéos qui ne sont jamais sorties, parce que trop courtes, parce que pas le contenu que je voulais, et en fait... Vraiment, là, je me dis, depuis janvier, depuis ma nouvelle direction de chaîne, qu'est-ce qui est important ? C'est la durée ou c'est ce que tu y partages ? Et moi, oui, bah, y a même une vidéo cette année qui est sortie de 3 minutes, j'avais jamais fait ça, mais c'est une vidéo que je trouvais très importante pour moi, très intéressante, et j'avais envie de vous transmettre ce que j'ai dit pendant ces 3 minutes, donc elle est sortie. Donc en fait, c'est vraiment s'enlever des pressions inutiles, et ça, on s'en est plein. Bref. Je vais manger tant que c'est chaud. J'ai envie de vous dire, il ne restait pas grand-chose. Je vais voir ce que je vais pouvoir me faire à côté. Finalement, pour mon... pour mon masque de nuit, pour le visage, je vais utiliser... Ah, qu'est-ce que je me suis griffé ? Ça, là, je sais pas si c'est un grain de beauté. Je sais pas ce que c'est, mais ça fait très mal quand on griffe, dis donc. Oui, donc je disais, je vais revenir à la base des bases des bases. Ce qui fonctionnait très bien. Elle n'est pas là. Je vais devoir aller chercher... Le masque, elle n'est pas là, la crème, mais le masque n'est pas là. Nuit polaire, de chez Polar, c'était vraiment le mieux. Parce que là, j'ai des masques de nuit, type Beauty Bay Overnight Moisturize, Moisture Balm, et gel masque hydrating, acide hyaluronique et algae. C'est pas du tout assez hydratant, c'est sous forme de gelée. Mais en fait, je pense que c'est hydratant, mais pas nourrissant. Et moi, comme je n'ai pas la peau grasse et que j'ai la peau très sèche, j'ai besoin de gras, entre guillemets, de nutrition. Alors que les gens, j'essaye de retenir, alors que les gens qui ont la peau grasse ont besoin d'hydratation, d'eau, mais pas de nutrition. Voilà, si vous ne le saviez pas. Donc je vais aller chercher ma crème nuit polaire de chez Polar, mon masque de nuit qui va bien nourrir là. Et je ne sais pas si c'est possible que ce soit aussi le gel nettoyant qui assèche un peu, mais j'avais auparavant le double nettoyage de chez The Ordinary, en gros celui au glucoside qui démaquille et celui, oui j'ai de la peinture sur l'ongle, celui qui bah du coup nettoie au, je ne sais plus, mais en gros le duo, et franchement c'était génial, j'ai jamais eu des nettoyants aussi top, et la routine vraiment double nettoyage, génial, et du coup là depuis, enfin quand je les ai finis, depuis j'utilise ce produit là, et je suis sans avis, mais je suis pas fan quoi, et je me demande si c'est pas ça qui assécherait ma peau, pourtant ça devrait pas, je pense pas, j'en sais rien, logiquement... Je m'y fais pas. Ce masque devrait être dans mon tiroir du haut, là, dans la salle de bain du haut. Je devrais trouver ça. D'ailleurs, ça a peut-être pas aidé. Bon, je l'ai utilisé qu'une fois la dernière fois. J'avais reçu, vous savez, un gommage, mais du coup chimique, pas mécanique. Je dis tout ce que j'ai appris dans cette vidéo. En gros, les gommages mécaniques, c'est quand il y a des grains. Et les gommages chimiques, en gros, c'est la formule qui fait que ça gomme la peau. J'ai utilisé la dernière fois parce qu'en fait, je vous avais demandé à quoi ça servait, les gommages chimiques. Et c'est en fait à appliquer avant de faire des soins. Mais du coup, je l'ai fait la dernière fois et je pense que quand on a une peau très sensible, c'est pas utile. Donc, je ne le ferai plus. Et pareil, tout ça, je vais pouvoir les jeter parce que ça fait un moment que je ne les ai pas utilisés. L'argile et tout, c'est pas adapté. Hein, ma peau, pareil, les masques purifiants, tout ça... Peut-être quand elle sera très très bien nourrie, mais là en ce moment c'est pas fun. Je cherche ma... Là, j'en ai trouvé une, je sais pas où il est en grand format, mais j'ai un petit échantillon, crème Ceci, et je vais en profiter pour me faire un gommage pour les lèvres, parce que c'est pareil en ce moment, les lèvres, elles en pâtissent un petit peu, alors que je mets mon masque matin et soir, mais comme quoi, celui de chez W7, vous savez, le dupe du Laneige, et ben, il est bien, mais apparemment pas aussi nourrissant, parce qu'avec le Laneige, vraiment, j'avais aucun souci. Donc, ah oh, parfait, je cherchais l'huile. Du coup, je me suis dit, parce que je voulais masser Benoît, j'avais eu un petit pot comme ça, quand on avait fait les bébés nageurs avec l'atelier huile. Très très bien. Si vous avez une bonne huile de massage à me conseiller, dites-moi, parce que j'avais acheté celle de chez... la marque The Rituals, sauf qu'elle est bien, mais je la trouvais trop sèche. Là, je veux vraiment une huile très très bien pour les massages bien huileuses, tout simplement.
Donc ça, et oui, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous faites vous dans les journées self-care. Moi je suis vraiment contente d'avoir calé une journée, même si ça a commencé un peu plus tard et que c'était pas dès mon réveil. Si c'est dès le réveil, c'est encore mieux, parce que vous le savez, ce que vous faites pendant la première heure de la journée détermine votre état d'esprit pour le reste de la journée. Donc moi pour le coup ça a commencé très 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 speed, donc c'est pas le mieux, mais ce n'est pas grave. Donc vous n'hésitez pas à me dire ce que vous faites. Moi j'aime bien faire des choses qui mixent, genre pas que le self-care, on pourrait croire que c'est bah, le skincare en fait, juste des soins visage, des soins corps et tout, mais en fait pas du... je me fatigue, mais en fait pas du tout, il n'y a pas que ça, vous voyez, bah, y a ça, il y a se maquiller, se préparer, se faire plaisir, il y a aussi bien manger, soit bien manger dans le sens équilibré et faire du bien à son corps, soit aussi se faire plaisir parce qu'à côté notre alimentation elle est cadrée, se faire des sorties, des activités comme là on a fait le cinéma qu'on fait pas souvent avec Benoît et qui est super cool. Bon, je me suis un peu endormie, j'avoue que depuis qu'on a Eden, j'arrive pas à faire un cinéma sans m'endormir, mais peut-être qu'on y arrivera. Je ne sais pas quand, mais peut-être que j'y arriverai. Et donc voilà, il peut y avoir la séance de sport qui sera aperçue par certains comme un truc pas top. Mais moi, dans une journée self-care, ça me paraît primordial. Là, j'ai pas pu le faire aujourd'hui par manque de temps. Mais ça m'a vraiment manqué. Et je sens que ça aurait pu surtout m'apporter un plus au niveau aussi du stress. Vous voyez, de base, je devais y aller avant le massage. Et je pense vraiment que ça aurait fait un duo parfait. Le stress, me défouler, tout ça... Après, me masser, enfin me faire masser pour me détendre et tout, ça aurait été parfait. En tout cas, je suis vraiment très contente de cette nouvelle expérience du massage. Je retenterai avec grand plaisir. Donc non, franchement, c'est très, très, très chouette. Si vous avez des petits trucs, je sais pas, en institut, des prestations, des choses que vous faites chez vous, en soins ou autre, ou des machines, je sais pas, que vous utilisez chez vous, et ben n'hésitez pas à nous dire en commentaire des petits trucs cool, ou alors le genre d'activité que vous aimez bien faire pour prendre soin de vous, si vous aimez bien aller prendre un goûter ou des choses comme ça, je suis vraiment preneuse, je pense que ça peut donner pas mal d'idées. Ah non, mais tout de suite, je sens que ça aspire. Là, je pense que je vais pouvoir mettre vraiment une grosse, grosse, grosse couche. Parce que là, ce matin, c'était une catastrophe. Tout mon maquillage... Bon, j'ai même pas réussi à le refaire dans la journée, mais tout mon maquillage avait pelé ici tellement j'avais la peau sèche. Donc là, j'aimerais bien que demain, ce soit un petit peu mieux déjà. Et pareil, tant que j'y suis, si vous avez une bonne crème pour le corps, à me conseiller, parce que là, je finis celle que j'ai, mais je la trouve pas assez nourrissante. Vraiment un truc... En fait, il me faudrait que vous me disiez une très nourrissante, bien bien grasse, enfin bien grasse, bien nourrissante, et une autre qui est cool quand il faut s'habiller après, pour le matin, quand je suis à la salle. N'hésitez pas à me dire si vous avez des tops à me conseiller. Bon, je crois que je vais même prendre le tube avec moi parce que là, ma peau, elle aspire énormément. Donc, je vais en remettre jusqu'à temps que j'aille me coucher. Je n'ai pas eu assez de batterie hier soir pour clôturer. Je le fais donc maintenant. J'espère réellement que la journée d'hier qu'on a passée ensemble vous a plu, aura pu vous donner des idées et surtout l'envie de prendre une journée pour prendre soin de vous. N'hésitez pas à venir échanger avec moi en commentaire, ça fait toujours très 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 plaisir. À laisser un petit pouce en l'air à cette vidéo si vous aimez bien cette mini-série, que vous avez hâte qu'on se retrouve déjà dans quelques jours pour la troisième journée. Pardon, pour se sentir bien et équilibrer son estime de soi. Sur ce, je vous embrasse. J'ai beaucoup de mal à articuler ce matin. Sur ce, je vous embrasse. On se retrouve soit tout de suite sur Instagram, soit dans quelques jours sur YouTube. Bye bye.